Yeah. Le missionnaire Alos before Mawanata. Écoute ça. Pour bâtir l'église, Jésus m'a donné un papa. Ah. Apôtre évangéliste, quand il prêche, c'est le fire. Ah. Quel que soit ce qu'il fait, ça poursuit toujours le salut des âmes. Ah. Il n'a plus besoin de le prouver, son ministère se propage à tous les niveaux d'Adigom. Donne tout pour Jésus. C'est le modèle qu'il faut suivre pour briller tout en gardant ton first love. Ses révélations sont terribles, font trembler les démons. C'est normal, Jésus l'appelle à impacter le monde. Quand tu ne comptes que si toi tu fais du surplace, il faut imiter au lieu de faire les gros bras. Dieu a rempli le papa là, un homme de Dieu polyvalent. Regarde ses œuvres, ça c'est un serviteur de Jésus Christ. Daddy, oh daddy, je vais faire l'église comme daddy. Daddy, oh daddy, faire les familles de croissance comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux bâtir l'église comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux avoir le zèle de daddy. Mon daddy, oh daddy, je veux aimer les âmes comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux envahir le monde comme daddy. Toi qui as la main sèche, regarde le fils du pauvre devenu puissant et prospère. Ne t'assois pas sur tes échecs, faut coller le wagon, donner un sens à tes rêves. Fais comme le papa l'a fait, prie, prêche, forme, fais les familles de croissance. Que tes œuvres soient parfaites pour que Jésus te reconnaisse. Comme monsieur le bishop d'Agan toute sagesse, soyons fermés, engagés pour bien imiter. Qui croit au ministère des femmes sans trop de complexes, il les établit pasteur sans hésiter. Il crée le first love pour enflammer la jeunesse, pour en faire des ouvriers du royaume bien équipés. Il fait les mille mariages poussés par l'Esprit Saint, pour bâtir des familles chrétiennes pures et engagées. Daddy, oh daddy, je veux faire l'église comme daddy. Daddy, oh daddy, faire les familles de croissance comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux bâtir l'église comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux avoir le zèle de daddy. Mon daddy, oh daddy, je veux aimer les âmes comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux envahir le monde comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux faire l'église comme daddy. Daddy, oh daddy, faire les familles de croissance comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux bâtir l'église comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux avoir le zèle de daddy. Mon daddy, oh daddy, je veux aimer les âmes comme daddy. Daddy, oh daddy, je veux envahir le monde comme daddy. Le missionnaire. Un père spirituel est une grande source de bénédiction. C'est le CEP. Pour cela, imiter et honorer un père spirituel, c'est se mettre sur la voie de la réussite sans stress. Faire sa famille de croissance pour bâtir l'église suivant les orientations de son père, c'est le signe qu'on est un vrai fils, une vraie fille. Reste loyal jusqu'à la mort. Apocalypse 2, verset 10.